Député pour des PA Louis Samuel François réagit sous déclaration président Chamnan Stevenson Jacques Timoléon fait sous Radio Scoop FM comme quoi il pral présenter dossier mise en accusation chef l'État Michel Martelly devant Assemblée la semaine prochaine. Président Commission Justice et Sécurité Chambre Basse l'a déclaré, c'est Assemblée qui gagne responsabilité pour analyser dossier A pour essayer gagner assez matière pour mettre président République là en accusation. Député François a annoncé auprès de discuter question en niveau bloc majorité présidentielle là avec l'autre bloc dans chambre là pour connaître qui orientation y a bail dossier A. Député Louis Samuel François dans micro Eddie Jackson Alexis à Colin Ildorest. Ensemble dit que un groupe de députés effectivement qui a soulevé la question ça dans le Parlement, qui a parlé de mise en accusation. Est-ce que la Constitution haïtienne lui parlait de mise en accusation de président de la République, etc. Écho. Mais bien sûr, la Constitution parlait de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a matière pour ça? Les trois bonnes nous-mêmes comme parlementaires pour nous dire qu'il y a matière, parce que comme simple parlementaire, on n'a pas dit exactement, nous pas arrivé à une solution positive ou négative, l'irrité à assemblée, assemblée A, c'est assemblée A seulement qui a un pouvoir, ça vous dit, est-ce que pas une mise en accusation, est-ce que pas une mise en accusation. Mais ça qui est important, c'est que nous, même dans PSP, nous pas concerter entre nous comme collègues, concerter entre nous dans PSP, concerter entre nous avec les autres blocs du Parlement, pour nous garder exactement qui direction à prendre et qui résultat nous parle bail à partir de cette mise en accusation. Qui calcule le bloc majoritaire l'a fait débuter François pour nous retourner à dossier ça dans notre chambre députée? Non, c'est une déclaration qui est faite par le président de la chambre des députés. C'est pas le bloc majoritaire là, puisque le bloc majoritaire là, pourquoi j'aime citer sous question ça. Mais nous-mêmes, comme députés, nous disons question qui à la une, sont question qui sur le tapis, sont question que tout le monde a parlé de lui, son sujet qui, que tout le monde a parlé de lui, et mais l'important qu'on y a, comme bloc majoritaire pour Nalchita, pour regarder exactement dans les jours à venir, qui attitude, qui comportement on a gagné. Quelle position par rapport avec ça? Est-ce que favorable ou pas? Moi, pas qu'à une position personnelle, parce que nous avons assemblé, nous avons un groupe majoritaire, l'important, nous-mêmes comme groupe majoritaire pour Nalchita, et pour regarder exactement qui position on a gagné, et côté majorité à parler, c'est là que je comme député. Il y a des gens qui disent des frustrations qu'on a exprimées par rapport avec l'ensemble pour, mais c'est des faits qui ne pas respectés dans le niveau exécutif là qui fait. Je vous dis à nous les questions de mise en accusation. Bon, moi-même pas pour le constat, parce que la mise en accusation, c'est une question de droit, c'est une question constitutionnelle, parce que la Constitution les prévoit. Maintenant, nous-mêmes, nous clairs, comme membres d'une assemblée, l'important qu'on a pour nous citer, pour nous mettre question bien, pour nous venir avec des éléments de preuve, des éléments tangibles, palpables, pour nous dire exactement est-ce que nos cas avancer avec question, est-ce qu'une café bac avec question ça. Mais ça qui est important, c'est que nous-mêmes nous connaissons question qui est sur le tapis, son sujet qui est sur le tapis, comme député, nous parlons ensemble pour nous garder comment on a avancé nos sujets pareils. Sur le fait bac dans le dossier, c'est là, député François, quand dossier a déjà dans la chambre, député a gagné un rapport qui était rédigé et rapport amendé pour faire mise en accusation, chef de l'État. L'aime parler de fait bac, c'est une question de droit. L'homme dit par exemple, il faut qu'il y ait des preuves tangibles, palpables, etc. Si il y a des preuves tangibles, palpables pour venir avec une mise en accusation, eh bien, n'a pas avancé. Si qu'on n'y a pas de preuves palpables pour venir avec une mise en accusation, nous disons qu'on a fait bac. Ça fait que nous parler, effectivement, de preuves, nous dit preuves tangibles, preuves palpables. Nous-mêmes comme parlementaires, nous avons pour boussole que la loi, eh bien, la loi qui a guidé nous, voilà pourquoi elle est claire encore une fois, nous dit l'Assemblée est souveraine, il revient maintenant à l'Assemblée, Chita entre eux, les députés Chita entre eux, en dedans ou assemblée, pour dire exactement, mais qui direction apprend à partir de cette mise en